C'est la grande salle du Calanche dans la commune de La Gombe qui a servi de cadre pour cet événement. Devant les experts, chefs d'entreprise et opérateurs économiques, la cofondatrice du réseau Affaires RDC a présenté sa nouvelle plateforme professionnelle qui a entre autres pour mission de stimuler l'innovation et encourager l'investissement. Affaires RDC a pour objectif d'abord de réunir tous les Congolais de manière individuelle pour constituer une plateforme visible de l'excellence et de l'expertise de la RDC et ensuite pour occasionner des opportunités d'affaires, de carrière, d'investissement dans un principe qui est très simple, c'est que nos synergies nous permettent d'aller plus loin ensemble. Le développement de la RDC est une affaire de tous, d'où la nécessité de créer une synergie autour de cet idéal pour y arriver. J'ai pensé en ma qualité de producteur associé du JT Diplomatique qu'il était important de pouvoir faire en sorte que nous puissions partager ensemble ce moment et surtout donner l'opportunité à ceux qui le souhaitent de s'exprimer. Nous le faisons parce qu'il est important de se connecter en dépit de nos secteurs d'activité différents, dans le but évidemment de pouvoir susciter des vocations, bien évidemment, mais de créer des synergies entre personnes de bonne volonté. Cette rencontre a débouché sur un échange fructueux entre les invités autour des idées et stratégies utiles pour le développement de la République démocratique du Congo.